Bonjour, comment allez-vous? Ça va pas mal. Nos films. Bonjour à Runout Retro Gaming à papa. Merci monsieur Karaté. Venez nous dire bonjour à nous. Bonjour monsieur Karaté. À bientôt. Merci. Salut. Merci. Mais on verra le beau Ryuoshi. Voilà. Et Bikan derrière. Ouais. Salut Bikan. T'as une bonne tête en fait, ça va. Ouais, t'as vu, je suis pas trop moche, hein, ça va. Non, ça va. Mais bon, on verra jamais, c'est pas grave. Bon, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce salon? Tu fais souvent les salons comme ça? Tu viens... Alors, en tant que vendeur, c'est très rare, parce que vous savez que la vente, c'est un sujet tabou, hein, vous savez très bien. C'est clair. Mais non, j'étais invité par mon ami Vicky, là, voilà. Et en fait, comme je suis à 2 heures de route, bah, c'est sympa. Comme ça, je suis assis, et puis on voit du monde. Comme j'ai fait une pause sur ma chaîne, bah, j'ai tout le temps ce lien avec la communauté. Et alors, je vous remercie tous, parce que malgré que je fais plus de vidéos, j'ai quand même des petits messages, des invitations, et c'est vraiment sympa. Quoi. C'est vrai qu'on ne te voit plus trop, mais bon, t'as toujours ta commu avec toi. Je suis comme de santé, mais je suis toujours là, et voilà. Et on peut t'apercevoir dans les lives. Voilà, je m'accouche sur des vidéos des collègues, voilà. Avec un certain Fantastique, je crois, Monsieur Fantastique. Tout à fait, Mister Poly Fantastique, Monsieur Garcin, qui est sympathique aussi. Ouais, écoute, regarde de plus, merci à tous, merci de t'être venu. Merci à toi, Ryu. À bientôt. Salut, Mika. Ceci les deux, celle du bas, celle du haut. C'est ça, en fait là il y a. En vrai il y a 28, il y a 28 couches de parallaxe. Ouais. 28. Et la Mega Drive elle peut faire ça, elle peut faire vraiment. Et tu sais combien il y en a sur le film de Force 4, le premier niveau là? Bah c'est pareil. Ils utilisent la méthode de scrolling ligne sur ce niveau-là pour faire le. C'est surtout pour l'effet de l'eau. Et du coup ils sont à 224. Coulon SDK ou t'as fait autre chose en plus? Quelque chose à côté. C'est tout fait en C. Ouais, tout fait en C, d'accord. Comme Fonzie. Ouais, c'est vrai que voilà. Le Patreon est fait en C aussi. Ouais, exactement. J'ai vu ça dans le film. Arnaud, décembre, il sera fin d'année. On devrait finir en décembre. Par contre, après, on fait que tout le temps qu'on passe à développer. C'est-à-dire qu'on est 5 dans l'équipe et tous les soirs, on finira au moins une fois le jeu chacun, qui sont différentes consoles, etc., pour s'assurer de la compatibilité.
hardware macro. Par exemple, là, la cartouche, elle marche sur sa console, mais sur la mienne, après, moi, ma console est. On va dire que je crois qu'elle est au bout. D'accord. Bah là, ça tourne. Hein. C'est bien. Bien, là. Ah, oui, tu fais ta console pour voir que le processeur, t'as dedans. Tu l'as jamais fait? Ah, bah, je l'ai switché. Ça tourne bien. Hein. Un dôme, t'en penses quoi? Ouais, carrément. Latent scrolling, un peu genre Megaman, un peu enfin, différentes thématiques. T'as grosse balle. Non, non, vraiment. Ouais. C'est quoi? T'as du Shinobi, t'as du Megaman. Ouais, t'as tout mélangé. Rocket Knight, on sait pourquoi. Ouais, Rocket Knight, voilà, ouais, bien sûr. Aussi, Rocket Knight. Autant pour nous. Ouais. Ah, y a énormément d'hommages, de références là-dessus. Hein. TCK. C'est plus fort que toi. En plus, je trouve qu'Arnaud joue bien. Hein. On m'avait dit, ouais, il joue pas bien et tout, mais Arnaud, il joue bien. C'est son jeu. Il joue sur un autre jeu. C'est vrai, c'est son jeu. Ouais, mais ça, ouais, t'as raison. Il par cœur, il fait du debug bientôt, là. Ouais, mais bien sûr. C'est son jeu. Tu rigoles, tu le mets sur le Rocket Knight, il te l'explose, le truc, je suis sûr. Ouais, génial. Avec Dom de la chaîne Chanel Dom. Comment vas-tu Dom? Fort bien et toi? Bah ça va pas mal, c'est un plaisir de te voir à Lyon aujourd'hui. Bah oui, c'est grâce à toi. Voilà, dans cette petite brocante geek, on a vu pas mal de monde tous les deux, on s'est promené déjà. On a vu du beau monde. T'es venu avec tes enfants, c'est sympa, il y a plein de choses à voir, on peut jouer, on peut voir du beau linge, du beau monde. Ryu, Bicam. Bon, je vais te poser quelques questions vite fait, on va faire ça un peu à l'hardisson. Bon Dom, ton premier souvenir de jeu? Quel premier jeu auquel t'es joué? Tu sais, le jeu sur Atari XL, j'avais 4 ans ou 5 ans. Ouf! C'était Outlaw. Outlaw, ouais. Très bien. La première fois que tu as acheté un jeu avec tes sous, qu'est-ce que tu t'es offert comme jeu? On va pas dire avec mes sous, mais en fait... Bon alors, tes parents, ils t'ont acheté quoi la première fois? Mon père voulait absolument rien m'acheter. Ouais. Et ma mère en cachette m'a acheté Squeak sur PC. Squeak sur PC, fantastique. C'était en quelle année? C'était en quelle année? 87, 88. Ils ont eu le Tilt d'or 89. Bah donc c'est 89. Bon, 13 ans. Dom, à quoi t'as joué hier soir? Ton dernier jeu hier soir ou ce matin, avant de venir? Eh ben le Zul Remaster justement. Le Zul Remaster qu'on a vu sur Megadrive sur le stand de Ryushi. Ouais, voilà qu'on salue. Et puis ta dernière acquisition. Alors je peux t'en dire deux trois, des vraiment atypiques. Oui, dis-moi. Alors un FM Towns, mais l'ordinateur cette fois-ci, pas la console. Oula, oui. Pas le consolisé. Oui, vraiment l'ordinateur FM Towns. L'ordinateur, le tout premier, le modèle 2 je crois. Ouais. T'as le CD qui s'ouvre comme ça. D'accord. Ouais. Par contre. Il était en loose, on va dire, et il faut un clavier qui coûte 300 balles. Ah oui. Donc, si tu veux, on va l'acheter petit à petit pour le mettre sur pied un jour. D'accord. Et un Apple IIGS qui était vendu par un musée aux États-Unis. Et moi, j'étais fan d'Apple, comme tu sais, j'avais l'Apple II gamin. Et là, j'ai un Apple IIGS qui va arriver. Et on attend la Polyméga, comme tu sais. Bon, voilà. Ça, c'est encore un autre débat. Très bien. Prochaine fois, le Polyméga. On dit le ou la Polyméga, je ne sais pas. Je sais même pas. On s'en fout complètement. Écoute, Dom, une dernière question. On va aussi rappeler aux abonnés que tu es quand même un fan. Tu es une bible, surtout, j'ai envie de dire, de la micro-ordinateur, du micro-ordinateur. Ouais, hein, voilà. Donc, allez voir Chanel Dom sur YouTube, sur la toile, vous allez vous régaler. Dernière question, complètement débile. Mario ou Sonic? Mario. Eh bien, écoute, merci l'ami Dom. Je te dis pas très console, mais Mario. C'est pas grave. Je te dis à très bientôt. Je t'en prie et à très bientôt aussi. Allez voir Dom sur la chaîne Chanel Dom. Bye bye, Ronald.
check. Ah, c'est lui, ça va, ouais. Check. Allez, check Monsieur Fantastique. Check, mec. Monsieur Fantastique, ça roule. Ça roule. Qui joue à AirTag sur Duo Air, c'est quand même... Attends, là, je peux pas te regarder. Et c'est quand même pas rien, me regarde pas, joue. AirTag, c'est quand même pas un jeu évident. Non, c'est pas un jeu évident, ça. J'y jouais... Ah ben, c'est un jeu qui date du début des années... fin 80, début 90. Hein. Il était dans les bars, celui-là ? Le AirTag en arcade, oui. Ah ouais, oui. C'est là où... Oui, c'est un jeu qui doit être... Jeu qui devait être dans les bars parce que... Il devait être en 88 ou 89, je crois. Moi, j'avais le TI-499 et je jouais à Parsec. Parsec, mais bien sûr. Parsec. Mais génial, Parsec. Un truc de dingue. Est-ce que Célic va arriver jusqu'au boss ? Non, parce que là, j'ai fait la journée au stand, je suis fatigué. Ouais, t'es claqué, je pense. Ouais, j'ai claqué, mais... Oh là là. Si, mais tu vas y arriver, Souvenir. Là, tu t'approches du boss. Ah, le passage de la chenille. Ouais, c'est ça. Faut tirer dans la boule bleue. Tire la boule bleue. Bravo. Ah, il touche, hein. C'est un vrai gamer. Hein. Une prochaine fois peut-être. Bravo Céline. Soleil se couche sur Lyon, Charbonnières-les-Bains, Brocante Geek, voilà, aujourd'hui dimanche. Et ben vous avez vu, j'ai passé un très très bon moment avec l'ami Dom qui m'a accompagné tout au long de cette petite journée. Vous avez vu, il y avait pas mal de monde, voilà, pas mal de copains youtubeurs, ça a été un plaisir de les revoir ou de les rencontrer pour la première fois. Voilà, très beau stand, donc je remercie tout le monde. Je vous dis à très bientôt pour un prochain Retro Gaming à Papa. Salut les amis, salut. Salut !